café, c'est comme baiser avec un éléphant. Ah, moi non plus, je vois pas le rapport. Est-ce que ça vous a déjà arrivé d'acheter quelque chose qui avait aucun rapport avec les éléphants? Eh bien, moi aussi! Je suis allé au pneu canadien et j'ai trouvé cette mini-arcade de Space Invaders! Oui, en plus, il était en rabais à 20,99$, descendu de 44,99$! Et oui! Tout qu'en rabais! Surtout quelque chose que je suis sûr qu'il n'aurait pas vendu ce prix-là. Et ça, c'est certain. La mini-borne d'arcade de Space Invaders que vous voyez devant vous a été conçue par une compagnie nommée Excalibur Electronics en 2005, probablement pour profiter de la vague rétro qui commençait son élan. Définitivement fait à l'image des mini-arcades de la fin des années 80. Très enthousiaste quand je vois un effort de ramener physiquement un support qui a marqué le monde du jeu vidéo. Un bon exemple serait l'Atari Flashback dont j'ai déjà parlé. Ce qui m'a impressionné le plus, c'est de trouver ça au Canadian Tire, alors que je cherchais même pas ça. Ils ont toujours quelque chose qu'on trouve pas ailleurs, pis qui attend le moins. À l'intérieur de la boîte, y'a pas grand chose à part un manuel d'instruction et l'arcade elle-même. Fait qu'une fois qu'on a sorti la console, on peut se débarrasser de la boîte parce qu'on s'en calisse pas mal. Le jeu est bien simple, le tableau de bord des mini-arcades comporte plusieurs boutons, dont le principal, un joystick traditionnel. C'est un must pour ce genre de truc. Celui pour allumer le jeu, qui sert aussi pour tirer sur les méchants extraterrestres. Un bouton pause si jamais vous avez d'autres choses à faire, à moins que vous l'ameniez avec vous aux toilettes, là. Ça reste à voir. Une option mute pour enlever le seul son qui joue. Des fois, il peut être assez fatigant. Et bien sûr, le on et off. Pas nécessaire de vous dire à quoi ça sert. La mini arcade est assez solide, le plastique est vraiment pas cheap. Je commence à comprendre le prix original de 44,99$ un peu plus, mais bon, quand même, là, c'est un petit peu cher. Les stickers pour identifier la console sont de très bonne qualité aussi, belle impression. Ça rappelle vraiment le bon vieux temps dans les arcades. Très joli comme console. Une chose qui me rend un peu perplexe, c'est le deuxième écran à l'intérieur qui sert absolument, mais fucking à rien. T'es quoi? Pas grave, là. La mini-borne consomme ben du jus. Des batteries de type C. Pourquoi des batteries de type C? J'ai rien chez nous qui utilise des batteries de type C. 4 batteries de type C. Puis quand je suis allé au dépanneur, là, puis que j'ai demandé au gars, quoi donc, d'un paquet de batteries C? Space Invaders, pour ceux qui connaissent pas ça, eh bien, c'est assez simpliste. Il faut tirer les extraterrestres, éviter leurs tirs et faire le plus de points possible. On a aussi des bases qui nous protègent un peu, mais une fois qu'elles sont détruites, it's game over, man! Oh, fuck! Le visuel du jeu est quand même pas si pire que ça. Les différentes couleurs séparent clairement les ennemis et on n'a pas de problème à identifier où est-ce qu'on est rendu. Oh yeah! La seule chose qui me dérange un peu avec la console, c'est le bouton de tir. On peut pas tirer en rafale et des fois c'est un peu trop lent mon goût. Et surtout quand on manque notre cible, ça fait un peu chier. Si on part du principe qu'on enlève 2 points pour les batteries, parce que 4 batteries de type C ça coûte cher en tabarnak, et 1 point pour le contrôle de tir, on donne une note de 7 sur 10 pour cette mini arcade. Très bon achat qui paraît bien dans une collection rétro. Bon, c'est pas le jeu du siècle, là, mais si vous avez moyennement un intérêt pour le rétro, vous avez la chance d'avoir ce genre d'arcade-là. Il y en a deux qui existent de cette compagnie-là. Ben, il y a Space Invaders, puis Frogger. Si vous les trouvez,
pas cher comme moi aux pneus canadiens, en tout cas pas cher, on s'entend. Ben, jetez-vous dessus puis achetez-les dès maintenant, c'est des bons items de collection. Puis j'aurais donc dû acheter le Frogger en même temps. Je l'ai pas fait. Si vous voulez, c'est la vie.